Et mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Ici Marx, et puis on se retrouve sur un stream plutôt différent. Un stream plutôt différent car ça, c'est une sorte de talk show, un podcast j'ai envie de dire. Normalement, si on a bientôt préparé, ce sera une soirée assez cool, assez intéressante. Donc voilà, normalement. Donc ce soir, on discutera bien sûr de Sea of Thieves, hein, du jeu. On discutera surtout sur l'évolution de Sea of Thieves ainsi que les DLC et les différents events qui se sont produits, qui sont arrivés tout au long de la durée de vie du jeu. Donc on séparera cette soirée en trois points différents. Donc le premier sera bien sûr l'influence des DLC, hein, comment les DLC ont influencé l'évolution du jeu depuis sa sortie. Jusqu'à maintenant en fait, jusqu'à la truc l'actuel, jusqu'à l'actu, j'ai eu un bug. Ensuite, quelle expérience les DLC ont créé, donc qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, qu'est-ce que les DLC ont rajouté, qu'est-ce qu'on a pu expériencer nous en tant que joueurs grâce aux DLC, et finalement ce que le jeu nous réserve pour le futur, qu'est-ce que les DLC les DLC anciens et les nouveaux, est-ce qu'il peut y avoir une évolution dans le jeu qui nous ramènera du nouveau contenu ou alors du recyclage ou quelque chose de nouveau que les développeurs décident de nous pondre. Et ça, c'est beau, ça, c'est l'art du développement. Alors bien évidemment, je suis pas seul ce soir, comme vous pouvez l'entendre, il y a assez créateurs, aka Aurélien. Bonsoir. On a Capu, on a Jack, aka Alex. Bonsoir. Et on a la belle Duke Queen. Non mais moi je suis moche. Non, on va pas commencer. Donc voilà, sans plus attendre, je propose de démarrer cette soirée, de commencer ce podcast. Et puis le plus important, de passer une bonne soirée, hein, sans stress, sans pression. Et bien oui. Donc voilà. Bah, bonne soirée. Bonsoir à vous tous. Allez, salut. Ok. Et ben, du coup, tu veux commencer par quoi alors? Écoute, je propose de commencer par justement par l'évolution du jeu, hein, tous les DLC qui sont sortis du début jusqu'à maintenant. Peut-être juste pour commencer, si des gens écoutent la rediff et qui ne connaissent pas Sea of Thieves, c'est un jeu qui a été développé par Rare, qui est sorti le 20 mars 2018. Voilà. Une petite précision comme ça. Développeur sorti sur Microsoft, c'est-à-dire Windows et Xbox One, exclusivement Microsoft. Voilà, ça moins. Et c'est un jeu de pirate. Ça n'aurait pas, compris. Du coup, donc tu fais le point sur tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Mm-hmm. Pour commencer, oui, ça c'est okay. Bien. Eh bien, on a commencé donc avec le DLC Vengering Deep, qui est sorti le 29 mai 2018. Donc, c'était le tout premier DLC. Qui a apporté son petit lot de nouveautés. Est-ce que tu veux qu'on décrive un peu ce que ça a ajouté ou pas? Oui, je suppose qu'on peut faire une description assez rapide du DLC, oui. Oui, car nous n'étions pas là pour celui-là. Ah non, on n'était pas là. Ah oui, si vous étiez quelque pas chose d'assez. On jouait pas encore. C'est que toi en fait qui a fait le début. Ouais, en fait, il y a que moi qui fais. Il y a excuse-moi. Ah bah allez, Jou, vas-y, raconte-nous tout. Tu nous fais un résumé rapide. À propos de Hungering Deep ? Yes. Ouais, exact. Du coup, Hungering Deep qui est sorti au mois de mai 2018, premier DLC de Sea of Thieves après une grosse attente. C'était un DLC assez court mais narratif, puisqu'on avait pour but de découvrir un petit peu ce qu'était la menace cachée derrière le nom de Hungering Deep, qui veut dire la famée du coup. Et on a pu rencontrer pour la première fois Merrick. Et c'est avec lui qu'on a découvert du coup la menace, qui nous a expliqué un petit peu l'histoire du personnage, de son histoire à lui d'ailleurs, pardon, et également l'histoire de la menace. Et on a découvert ainsi pour la première fois le mégalodon dans le monde de Sea of Thieves. Mégalodon du coup qui a persisté non pas sous la forme de la famille qu'on a affrontée pendant l'event, mais sous la forme de sa descendance en fait, sous plusieurs versions. Ses enfants, ouais. Alors du coup c'était le premier boss du jeu, on peut dire ça comme ça, c'était le premier boss qu'ils ont rajouté. Oui, parce que...
Oui, ajouté, oui, parce qu'après on avait déjà les combattailles avec les capitaines dans les forteresses et trucs comme ça. Le mégalodon c'était vraiment. Oui, le Kraken. Ouais, mais Kraken à cette époque-là. Il existait déjà, mais si tu veux, dans la communauté, c'était pas vraiment considéré comme un boss parce qu'au final, il y avait, à part un HF que tu débloquais sur l'application Xbox, bah, il y avait pas de loot, il y avait pas d'intérêt vraiment à le faire. Si tu veux, c'était plus un inconvénient quand tu tombais dessus dans les mers. Oui, il était plus chiant qu'autre chose. Ouais, d'accord. Alors que maintenant, ça va un peu mieux déjà. Mais du coup, oui, c'est vrai que le Mégalodon était vraiment le premier gros boss, on va dire, intéressant du jeu. Ouais. Intéressant, entre guillemets, quand même. Parce que bah, déjà, c'était un affrontement qui se faisait à plusieurs, on pouvait pas y aller tout seul. Pour essayer de le soloter, il fallait forcément avoir l'appui d'un autre équipage avec soi. Et puis bah il y avait toute une narration autour qui avait été instaurée, alors que le Kraken c'est vraiment juste là. Il pop et puis voilà. Le Mégalodon a été amené quand même, même si c'était une quête relativement courte on va dire, parce que ça prenait pas des jours et des jours à faire. Hein. Mais il a quand même été amené d'une manière narrative et historique et intéressante. Et ce qui était bien c'est qu'on devait vraiment l'invoquer quoi, c'était pas le machin qui pop comme oui, ça. Oui, ils ont mis en place tout un rituel à faire. C'était ça, ouais. J'ai pas eu la chance de l'invoquer moi. Bah, le rituel, du coup, oui, c'est Merrick du coup, qui, en vous racontant l'histoire du mégalodon, vous apprenez également la chanson particulière à savoir jouer pour pouvoir l'invoquer. Et donc, il fallait être au minimum 5 personnages pour l'invoquer, donc ça nécessitait obligatoirement un équipage. En fait, c'était la première expérience qui forçait les joueurs à se réunir, en fait. Ouais. Ça, c'était vachement cool. Donc, c'était bien sympa. Il n'y a pas encore le principe d'alliance, mais c'était la première fois que le jeu est en mode regardez, vous pouvez jouer ensemble. Ouais. Et pas juste oui, vous n'êtes pas obligé de vous taper dessus. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Après, suite à ça, en fait, DLC il a mis en place les systèmes de quêtes, d'events. En fait, parce qu'en gros, même si c'était un DLC, c'était considéré comme un event au final. Mm-hmm. Et du coup, suite à ça, il y a eu. Alors, c'était quand c'était. Alors, le problème, c'est que c'est écrit en tout petit sur le site. C'était le 14 juin. Il est sorti le premier vrai event, on va dire, sur le jeu. C'était les trônes squelettes. Trône squelettique, on va dire. Et bon, c'était un tout petit event, pas incroyable, mais ça introduisait un nouveau type d'objet, on va dire, sur le jeu, c'était les trônes. Et ça demandait aux joueurs de s'asseoir tout simplement sur des trônes. Oui, si je me trompe pas, c'était juste ça, non? Tu t'asseyais sur les trônes, puis tu débloquais C'était très simple. Oui. C'était un peu tricky parce qu'il y en avait, il fallait jauger un petit peu avec les distances, avec le lancer de canon et compagnie, mais c'était vraiment juste tu t'assois et c'est tout. C'était ça, ouais, c'était pas. Donc techniquement, oui, ça rapporte aucune importance au gameplay, je veux dire, il n'y a pas de. Ah non, pas non, de vraiment. Côté. Non, oui, c'était vraiment un truc tout vraiment gentil. Juste gentil, oui. C'est ça. D'accord, ok, d'accord. C'était une micro début d'introduction pour vraiment deuxième gros DLC qui arrive après, mais si. Mm-hmm. Ah, c'est oui. Ça. Bah, attention, il n'y a pas eu grand chose après celui-ci. On a eu les trônes squelettiques qui est sorti le 28 juin, si je dis pas de bêtises. J'ai dit quoi, les trônes squelettiques? Non. Oui, les trônes squelettiques. Non, les squelettes explosifs, pardon. Ah oui, explosifs, oui. Et donc voilà, sorti le 28 juin, et bah, là c'est pareil, ça introduisait un nouveau type d'ennemi, bah, les squelettes explosifs qui n'existaient pas à l'époque. Et donc t'avais tout un event sur ça, fallait tuer plein de squelettes explosifs, il y en avait beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, genre t'en avais quasiment toutes les 2 secondes. C'était assez sympa. Oui. C'était assez chiant. Oui, ça pétait dans. Ça hein oui, ça change pas trop. Ouais, ça change pas trop d'aujourd'hui. Hein. Toutes les 2 secondes, on peut en avoir. Ah bah c'était pire encore, vraiment. Oui, il y avait vraiment à toutes les vagues qui soient. Hein. C'était pas. Des fois, il y a des forts où dans toutes les vagues, t'en as moins 2-3 qui pop. Ouais. Ouais, mais des fois. Avant, c'était tout le temps. Ouais, ça, c'était. C'était ça, un peu ouf. Mais t'en fais péter un, puis quand t'enchaînes les explosions, tu te régales là, c'est cool. Ouais, c'est clair. Bah tu te régalais vachement, hein. Franchement, c'était très sympa. Et puis bah, avant l'arrivée du second DLC, il y a eu The Second Curse qui est sorti le 11 juillet, si j'ai pas de bêtises. Oui, la malédiction engloutie. Voilà. Et en gros, bah, c'était l'arrivée des statues de sirène. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Qui par contre, à la différence d'aujourd'hui, quand on les tuait, ne faisait pas popper des gemmes. C'était vraiment tu les tuais, ah bon. Paf. Et il se passait rien, t'avais rien après. Au moment où l'événement est sorti, non, vraiment, c'est celui qui a été le moins bien accueilli à ce moment-là parce que vraiment, en fait, c'était juste bah, complètement con d'aller juste taper des statues comme ça pour lol en fait. Bah, d'accord, je pensais que les gens justement qu'il y aurait. Non, on pensait justement qu'il y aurait eu un truc un peu plus profond avec les sirènes et tout parce que c'est quand même un élément important du jeu étant donné que les sirènes, c'est notre point de repère pour retourner sur le bateau. Donc oui, bah oui. On apprend un peu plus. Et en fait, non, l'événement est arrivé, c'était bah, taper des statues et puis voilà. Ouais.
Et en plus, il y avait même pas encore les... Si, il y avait déjà les récompenses en double à ce moment-là, pardon. Mais c'était vraiment juste ça, quoi. Il n'y avait pas de haut fait particulier ou quoi que ce soit. Il n'y avait donc pas, effectivement, pas la gemme. Même si les gemmes existaient déjà à l'époque sur les statues, le fait qu'elles les libèrent après leur destruction, c'est arrivé... Plusieurs mages après, Plusieurs mages après, oui. Je ne me souviens plus de laquelle, mais bien après. Tout. Et d'ailleurs, il y avait un peu une publicité mensongère, parce qu'ils avaient fait un trailer, et ils avaient représenté les sirènes, genre des trucs assez gigantesques, qui étaient genre 2-3 fois la taille d'un personnage de base. Sauf que quand c'est sorti, c'était des mini statues, c'était tout petit, c'était rikiki, c'était vraiment ridicule. Ils ont même dû, une mise à jour après, agrandir la taille des sirènes pour correspondre un peu plus à ce qu'on voyait dans le trailer. Mais même... Oui, du coup, il y a eu un foutage de gueule assez important, quoi, je veux dire, la communauté. Soit un foutage de gueule, soit une pub mal faite peut-être, parce que vraiment, quand on nous annonçait la sortie avec... Quand on s'est dit la malédiction Gouti, les sirènes, on s'attendait vraiment à voir des PNJ vivants en fait, pas juste des statues. Quoi. On s'était dit on va en apprendre plus sur ce peuple un peu mystérieux du jeu et tout. Et au final, qui suscite beaucoup d'intérêt que ce soit en jeu ou dans la vie. Et en fait, bah non, c'était. Mais parce que c'est vrai qu'actuellement, si je me trompe pas, on connaît pas grand chose sur les sirènes. Hein. Actuellement, pour en jeu en lui-même, il n'y a pas grand chose effectivement qui est dit. Après, il y a beaucoup plus de choses qui sont expliquées dans le lore du jeu. Dans le lore, qui est disponible dans les contenus additionnels, comme le livre par exemple de la fortune d'Athéna ou les BD aussi. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les BD en parlent également. Il me semble. D'accord, ok. On en apprend un peu plus sur les origines, enfin les origines, sur le fait que les sirènes sont là et pourquoi elles sont là et pourquoi est-ce qu'elles ont surtout plus trop de liens avec les joueurs ou avec les humains dans le monde, parce qu'avant c'était un peuple qui communiquait beaucoup avec les humains dans le monde de Sea of Thieves, qui ne le fait plus maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui sont apprises avec ça. D'accord, bah ça, c'est un petit peu dommage du coup de pas pouvoir. De pas avoir pu explorer plus en avance ce lore en fait, parce que bah il est beaucoup expliqué dans les contenus additionnels du jeu, mais en jeu en lui-même on nous a juste dit de taper sur les statues. C'est ça. Et c'était très décevant du coup. C'est triste, ça, il pourrait approfondir un peu le contenu. Il y a beaucoup à approfondir avec le lore de beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était pour la première vague de DLC d'Event. C'est ce qui a mis en place un peu le système. Après, je pense que. Du coup, on a eu Merrick, on a eu trop de squelettes, puis on a eu les sirènes. Ouais. Et les squelettes explosifs. Et les squelettes explosifs. Donc, du coup, le seul vraiment avec un but assez précis, c'était Merrick, quoi, qui a ajouté une grosse nouveauté au jeu. C'est ça. Qui nous obligeait à nous unir avec des joueurs PVP qui ne faisaient pas partie de notre alliance. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je crois que les développeurs ne considèrent pas les DLC comme des DLC maintenant. Sauf qu'à l'époque, ils parlaient vraiment de DLC. C'est fini, maintenant ça, qu'ils font du contenu vraiment mensuel, en fait, on n'utilise plus du tout le terme de DLC. Alors qu'à l'époque, quand le Mégalodon est sorti, par exemple, c'était vraiment un gros événement. Oui. Et quand le deuxième DLC est sorti 3 ou 4 mois après, si je dis pas de bêtises, puisqu'on avait eu le planning à l'époque des sorties des DLC, c'était vraiment aussi un gros événement, c'était censé être un truc assez important. Alors que maintenant, il y a vraiment des petits ajouts qui se font. En fait, on sait qu'il va y avoir une fin à ce qui est à l'heure actuelle, mais je veux dire que... Le DLC n'est plus annoncé de la même façon où avant c'était vous aurez tout d'un coup, vous comprendrez tout d'un coup, alors que là maintenant aujourd'hui ils se contentent de parsemer des indices au fur et à mesure des mois avec les mises à jour mensuelles pour amener à la fin en fait avec ce qui est en train de se passer. Tu veux dire une sorte de foreshadowing, donc ils nous montrent ce qui va se passer un peu plus tard quoi, ils nous donnent des indices pour... Oui c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Il y a un cheminement un peu plus lent que juste tenez, tout arrive. D'accord. D'accord. Enfin voilà. Puis ensuite on a eu quoi? Je pense qu'ensuite c'était ils ont ajouté les deux gros events là. Forsaken Shores et puis Dans l'ordre t'as eu Curse of Cells. Alors ça c'est mon petit DLC favori quand même. Je sais pas si on doit l'expliquer en fait, c'est simplement l'intégration des navires squelettes de base. Des combats avec. Ouais. Mais scénarisé, c'est-à-dire que ça c'est mon petit kiff à moi ça. Il y avait une armurière qui s'appelait Wanda et qui a eu l'idée de trouver, je sais plus, c'était une épave d'un navire ancien ou un truc comme ça, et dedans elle a découvert des boulets maudits. Et sauf que le truc c'est qu'elle a voulu les reproduire avec un personnage qui s'appelle Salty, et sauf qu'en les reproduisant c'est vu un peu maudite, et Salty aussi. Et voilà, donc du coup elle a été maudite, elle a fini par se transformer en capitaine squelette. Et de là est apparu donc les navires squelettes, c'est elle qui les a envoyés pour conquérir la mer des voleurs. D'accord. Alors donc notre rôle c'était de combattre les events de navires squelettes. Et d'ailleurs c'était très particulier ce DLC là, parce que c'était
une semaine un équipage squelette à combattre. C'était chaque semaine t'avais un équipage pendant 3 semaines. D'accord. On avait un équipage différent. Voilà. Il y avait 3 zones de combat qui étaient sur la map et toutes les semaines c'est l'équipage sur ces 3 zones changeait exprès. C'est ça. Et je crois que c'était la 3e ou 4e semaine, je sais plus, où tu devais combattre l'ancienne armurière qui s'était transformée en squelette. Mm. Voilà. Donc ça c'était vachement cool. Et c'est sorti le 31 juillet 2018, c'est ça. Et après ça, on a eu un petit event. Alors je crois qu'après c'était parti sur un rythme de genre une grosse match, un DLC plus un petit event, DLC petit event. Oui, c'est ça. Parce qu'après voilà, on est passé sur Cursed Crew, sorti le 29 août. Et ça c'était, si je me trompe pas, c'était l'intégration du drapeau Reaper. Si je me trompe pas, donc c'était un event spécialement fait pour le PVP. Donc, d'accord, le drapeau Reaper, c'est qui t'affiche sur la carte. Si quand ils ont pas encore inventé le mode arena, du coup si tu voulais te taper avec des gens, tu mettais ce drapeau et tu allais chercher... Ouais. D'accord. Voilà, okay. C'est ça. Juste une question vite fait pour Alex et Capu, c'est quand que vous avez commencé, c'est quand que vous êtes arrivé sur le jeu, à partir de quel DLC slash event pour vous? On va dire la première vraie DLC qu'on a vu c'était Anniversary. Ah oui, donc d'accord. On jouait un petit peu avant mais... C'était pas énorme. Il y avait déjà les forts, les bateaux squelettes, les mégalodons, les sirènes. C'est pas tout à fait un nouveau jeu du coup, en fait. Un peu plus. Mais ouais, vous êtes vraiment arrivé pour la première année, quoi. Ouais, je sais pas si on a vu les quêtes où fallait mettre, enfin récupérer les 30 coffres capitaine, ça on les a fait. Ouais. 30 coffres de capitaine et avec le drapeau Reaper. Mais après, non, je crois pas qu'on avait beaucoup. Ouais, c'est ça, vous êtes arrivé un petit peu avant l'anniversaire, quoi, en fait. Vraiment. Ouais, voilà, on est vraiment. Et donc, toi, Joaquin, et puis Aurélien, moi, dès le début, c'est ça? Depuis Day One, d'accord. Ouais. Moi, j'ai commencé sur Xbox avec l'arrivée de Merrick, puis après, j'ai arrêté, et puis j'ai repris sérieusement à l'anniversaire, enfin, sérieusement, entre guillemets. Ouais. À l'anniversaire, quoi. Mais non, mais c'était cool, franchement, je me suis bien amusé, c'était un bon jeu. J'ai toujours aimé le jeu. Hein. Je trouvais que les graphiques et tout étaient différents, ça changeait pas mal des jeux qu'on avait l'habitude d'avoir, quoi. Donc, ouais. Je suis en train de rechercher la date de Cursed Crew, mais je l'ai plus. Ouais, je sais plus. Au pire, on peut oublier les dates, hein, ça a pas trop d'importance. Ouais. Dates, du coup, si tu veux, on peut enchaîner, si tu veux. Il y a eu. Oui, il y en a eu quoi? Il y a eu. Bah, après, il y a eu les Forza Canchores. Shores. Ouais, voilà. Pour le dire plus proprement. Yes. Je suis français, madame. faut dire Forza Can Shores. Voilà. Oh mon dieu. Du coup, bah, ça, c'est par contre, c'est le gros DLC avant l'anniversaire, quand même. C'est ce qui a intégré le Devil's Roar. Là, bah oui, la nouvelle zone. La zone volcanique. Carrément, ça a intégré ça, donc pas mal de choses sympas avec ce DLC, genre il y a eu quoi, beaucoup de choses, des nouveaux skins, beaucoup de trucs, il y a eu l'arrivée du Cargo Run aussi qui est arrivé je crois une semaine après la sortie du DLC, enfin il s'est ajouté beaucoup de choses, et ça c'était vachement sympa. Cargo Run oui, mais les gens, la communauté s'est vite lassée des Cargo Run, je suppose, c'était pas un peu chiant à la fin, oui. Ouais. Si, parce que surtout au début ça avait été vendu comme le nouveau type de mission à faire pour les marchands et au final la difficulté est quand même assez élevée sur certains trucs, surtout dans la nouvelle région. Oui, bah oui, parce que ça pète tout le temps et c'est chiant. Vraiment. Donc la difficulté était assez élevée au niveau des missions en elles-mêmes, au niveau de la tenue des cargaisons. Et puis surtout, en fait, ça ne payait pas plus cher qu'une mission de marchand, voire même un peu moins selon certaines missions qu'on pouvait faire à l'époque, les missions classiques de base qu'avec l'alliance des marchands. Donc bah, c'est des missions, au début tu les fais pour essayer, pour découvrir un peu, t'es en mode oh, c'est sympa, vite fait. Et puis au bout de 3-4, en mode non, mais c'est chiant en fait, je vais pas te la faire. Je prends la caisse, je la laisse là, puis je me casse. Donc du coup, il y a eu. Des gens ont beaucoup boudé ces missions-là au départ. Et c'est pour ça que Rare a fini par dire ok, bon, on va essayer de. Les rendre vraiment intéressantes en améliorant du coup le rendu en réputation et en argent et en essayant de faire en sorte que par exemple les bouteilles de rhum se détruisent un petit peu moins vite. Entendu, d'accord. Mais en parlant de Cargo Run, est-ce que ça fait aussi allusion au marché d'animaux quand fallait vendre les poules, les serpents et tout ça, ou c'est ça? Non. C'était nouveau. C'était ça, c'est ce qui était de base dans le jeu. Ouais. D'accord. Le Cargo Run, c'est vraiment la livraison. Vraiment ajouter les livraisons de marchandises à récupérer d'un point A pour emmener à un autre point B. Donc les boîtes de rhum, les caisses de rhum, les plantes. Les caisses de rhum, les caisses de tissu,
précieux et les caisses de plantes. Est-ce que vous pensez... Parce que justement, l'autre jour, je parlais à Aurélien des animaux, parce que c'est vrai qu'on n'en fait plus, quoi. Je lui ai dit, attends, mais les animaux, on n'en vend plus, quoi. Genre, on fait même plus attention aux cages qu'il y a sur le sable, par exemple, sur le bord de plage, t'avais des cages et tout. Est-ce que vous pensez que les développeurs pourraient nous relancer une sorte de DLC, event, avec la vente des animaux, justement, un truc un peu plus intéressant que ce que c'était auparavant? Bah, en event, il y a quand même eu... Non. Non, je vois pas ce qu'ils pourraient faire. Tout simplement, fait. Nous rajouter des nouvelles espèces d'animaux. Vous voyez, on peut prendre par exemple alors, des perroquets. Ça, oui, des mais ça, c'est pas l'alliance des marchands. C'est la seule. Ah. Quoi t'as coupé. Ça a coupé. T'as dit quoi? Dis, c'est la seule réputation que les gens en ont marre. Y'a personne qui l'a fait. Parce qu'une fois arrivé level 50, t'as plus d'intérêt à la faire en fait. Cette mais la voilà. Minorité des gens font les quêtes. Sinon, on vend tous nos gemmes là-bas. Oui. Bah, oui, quoi que ça a même changé. Oui, maintenant avec l'implantation des gemmes qui peuvent être vendues à n'importe quelle réputation pour l'améliorer, c'est vrai que oui. Du coup maintenant. Parce qu'avant, il fallait vraiment donner les trucs spéciaux à telle faction, mais maintenant, avec les gemmes que tu peux vendre à n'importe quelle faction pour l'augmenter, surtout que le gain en réputation et en or est quand même beaucoup plus intéressant que la majorité des quêtes à faire parfois, surtout à bas level, bah au final, oui, les quêtes classiques sont quand même beaucoup boudées, surtout pour l'alliance des marchands, qui peut être vraiment très pénible à Ouais, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, ça en prend en parler même dans l'influence qu'a les DLC, parce que genre tous les DLC et les events qu'il y a eu, ça a vraiment influencé dans le système des marchands, des collectionneurs d'or, genre vraiment. Maintenant, quand tu vends des éléments, enfin divers coffres ou autres, les collectionneurs d'or, je trouve que c'est même peut-être devenu moins évident à monter que l'alliance des marchands. C'est vrai que les DLC passés et probablement futurs, même à moins d'une bonne surprise, ont toujours beaucoup influencé, toujours beaucoup pris en compte les factions, enfin les sociétés marchandes, pardon. Mais autant l'ordre des âmes dernièrement a été beaucoup mis en avant avec les squelettes, les rituels et compagnie, autant les collectionneurs d'or ont été mis en avant avec les Shores of Gold quand les Telltales sont sortis. Autant c'est vrai que les marchands, il n'y a jamais eu une mise en avant en mode de regarder, c'est les marchands cette fois-ci, c'est vrai. La seule fois où on en a fait allusion, c'est quand il y a eu la petite aventure où il fallait récupérer des barils de poudre pour les donner aux factions pour qu'elles puissent se défendre. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment le seul moment où on a dit les trois factions, enfin les trois sociétés marchandes ont besoin de se défendre. Mais à part ça, c'est vrai que l'alliance des marchands est peu mieux en avant, quoi. Bah si jamais ils décident. Ils ont tenté avec les Cargorones, mais ça s'est cassé la gueule, ça pas. Ouais. Malheureusement. C'est la faction qui marche le moins. Le moins intéressant de toute façon, c'est vrai. Bah justement, parce qu'elle est le moins intéressant, du coup, s'ils arrivent à trouver quelque chose qui... Ah bah s'ils y arrivent, tant mieux. Hein. Ouais, qui nous pousse à aller travailler un peu pour... Je vois mal ce qu'ils pourraient proposer. Je sais pas trop, ouais, j'avoue. Au moins de la changer, bon, quoi. Voilà. Mais après, s'ils arrivent à trouver quelque chose d'intéressant qui permet de redonner un certain regard d'intérêt à la société, oui, ça peut être intéressant aussi pour nous. Oh, puis il y a moyen, hein. Au moins de la changer complètement. Faire des allers-retours, je pense que ça saoule un... Oui, ça, ouais, ils peuvent faire un reward. Les marchands, quoi, donc c'est sûr que c'est du FedEx, mais bon, c'est le principe de base de ce genre de société aussi, quoi, donc... C'est du FedEx. Non, bah, je suis désolée, mais... Non, mais je vois pas ce qu'ils pourraient proposer, alors que le but de l'annonce des marchands, c'est de marchander, justement. C'est ça. Ah non, mais de toute façon, ils portent bien leur nom, ça, ce qu'on doit faire, ça correspond bien, ça c'est clair. Enfin bon. C'est sûr que pour le moment c'est plus de la course que du marchand. Ouais, c'est d'aller d'un point. Regarde, déjà je viens d'avoir une idée. Marchand, t'es supposé troquer. Du coup, si tu peux échanger, si ils te donnent un stock d'objets à acheter toutes les semaines ou quelque chose comme ça, tu vois, ça peut déjà être un peu plus intéressant que juste des quêtes FedEx, comme a dit Duqueen. Ah, et les objectifs hebdomadaires, tout ça. Ouais. Oui, voilà, j'en sais rien. Ils te donnent par exemple toutes les semaines, ils te donnent 5 voiles différentes à acheter. Pas des trucs extraordinaires non plus, mais voilà quoi. Un truc un peu plus intéressant que ce qu'on a actuellement. Augmenter les prix. Quelque chose de nouveau. Ok, il rapporte bien au niveau des prix. Une quête crâne ou une quête coffre. Ouais. Ça dépend après s'il y a à faire, je trouve. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié le DLC en question. Il a rajouté plein de trucs. Il a rajouté la chaloupe. Il a rajouté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La chaloupe, des nouveaux types de coffres. Enfin, plein de trucs. Mais ça... Ah, il s'est rajouté aussi les 6 postes. Oui. DLC Forsaken Shores. 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 D'accord, donc les 6 postes sont arrivés avec Forsaken. Oui, il y a eu beaucoup de contenu qui sont arrivés en même temps que la nouvelle région. D'accord. C'était vraiment le plus gros DLC avant Anniversary. Vraiment. Le plus important, d'accord, oui. Avant la grosse update. Okay. Ouais, c'est ça. D'accord.
Après, eh bien, on a eu. Alors là, c'était un événement à thème. C'était le festival des damnés. Donc c'était pour Halloween. Et donc ça a implémenté. Alors je sais pas comment on appelle ça. Là, les grosses flammes. Enfin, les flammes de couleur déjà. Les fanaux, voilà. Donc ça implémente. Voilà, c'est ça. Et donc avec des objets uniques pour l'event. Voilà, ça c'était vachement sympa. Donc, pour Halloween. Et après, on a eu le dernier DLC de l'année 2018, c'était les Shrouded Spoil. Je sais pas comment on dit. Shrouded. Voilà. Shrouded Spoils. Et du coup, c'est celui qui a intégré, je suis en train de voir, les rubis, les gemmes. C'est celui qui les a intégrés. Oui. D'accord. Voilà. Qui sont revenus avec les... Parce que les statues de sirène avaient été désactivées, si je ne dis pas de bêtises, pendant un temps, et elles sont revenues du coup avec cette mise à jour. C'est ça. Avec l'arrivée des sloops squelettes. Et surtout l'arrivée du brouillard, ça c'était ouf, très sympa. Le sacré brouillard. Oui, tu vois quand même, ça rajoute une... Vas-y. Non, vas-y, termine. Le brouillard qui rajoute aussi une nouvelle fonctionnalité au gameplay, quoi, parce qu'il faut être un peu plus prudent. Ah oui, ça oui. Personnellement, ouais, puis... ça m'est arrivé plusieurs fois de me taper un rocher. Ouais. Non, elle aussi. Ah bon. Vous êtes tous arrivés, je pense. Je crois, ouais. Et même ça a ajouté de la profondeur au jeu, genre même au visuel du jeu. Ça a changé les météos classiques qu'on avait, quoi. C'était soit il faisait beau quelque part, soit il faisait de moche. Ah, c'est clair, une fois que tu sortais du brouillard et tu voyais la lumière et tout, c'était bien, quoi. Tu te sentais enfin libéré. Oui. Tu disais, putain, ça fait du bien. Surtout enfin, que c'est très quoi. Plaisant dans le jeu, qui est quand même très très beau graphiquement parlant. Oui, exactement. Et alors, du coup, ça a ajouté. Si je dis pas de bêtises, avec le Shroud of Spoils, il y a aussi eu l'arrivée des nouveaux mégalodons. Les nouveaux mégalodons, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc les différents qui sont arrivés du coup en même temps que le brouillard sur la mer. Exactement. Les différents types de mégalodons, parce qu'à la base, après le DLC The Hungering Deep, le mégalodon est resté en jeu, bébé mégalodon du coup, mais c'était vraiment un bébé, c'était vraiment un format plus petit du mégalodon qu'on affrontait dans le DLC. Ouais, c'était pas ouf. Alors qu'avec Shroud of Spoils, il y a eu du coup l'arrivée de ses frères et sœurs et de leur nouveau genre. C'est ça, les différentes couleurs. Et leur rareté. Et il y a eu le retour du Kraken aussi. Oui. Qui a été boosté. Genre, il a pris des tubes pour bien le rendre violent et ça marchait pas. Ils l'ont mis sous stéroïdes. Le Kraken a été désactivé. Ça, le Kraken, pour, hein. Oui, il a été désactivé pendant un temps parce qu'il y avait des petits soucis, je crois, en plus, entre les différentes menaces qui popaient en même temps en jeu. Donc, ils avaient désactivé le Kraken puisqu'il y avait des fonctionnalités qui marchaient pas comme. D'accord. Et quand ils nous l'ont rendu plus vénère. Plus vénère, genre il te foutait des claques, plein de trucs comme ça, il englobait ton navire, alors ce qui n'existait pas non plus avant. Donc ouais, ils l'ont rendu bien pété, le machin, c'était sympa. Okay. Et en plus, ils ont rendu la possibilité de looter des choses, tu le finis. Kraken, avant, il était nul, quoi. Ah, non, avant, franchement, oui, c'était pas super intéressant à faire. Le Kraken, quand tu le voyais, quand tu tombais dessus, tu étais vraiment en mode, bon, bah, on met les voiles et on se casse, en fait. Ouais, puis ça te faisait chier, ça servait vraiment à rien. On quoi. Répare le bateau, vraiment, le temps d'eux, pour pas se faire non plus couler, parce que ce serait débile. Mais, voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de le lire, je m'en rappelais plus, c'était là, ce DLC, il a rajouté aussi les loots en tuant le Kraken et le Mégalodon, ce qui n'existait pas à l'époque, genre tu les tuais, oui, t'avais ouais, rien. Oui, c'est ce que j'allais demander, est-ce qu'on avait déjà le loot avant, ou le loot est arrivé pendant... Non, le loot est arrivé, il est arrivé. Avec aussi. Avant, il n'y avait vraiment jamais de loot à trouver dans la mer ou quoi que ce soit. Oui, du coup, c'était les trois factions. Tu faisais des quêtes, les petits coffres, les petites poules, et puis les quêtes te donnaient du loot. Les forteresses squelettes te donnaient du loot. Et puis, des fois, tu pouvais trouver des trucs échoués sur les plages, mais c'était assez rare ici. C'est assez rare. Donc, le jeu, il vient de loin quand même. Oui. Il y a beaucoup de gens, quand le jeu est sorti, je vais faire mais quand le jeu est sorti, il était très bien déjà à ce moment-là pour moi, mais clairement il valait pas le prix qu'il valait à l'époque. Clairement parce pas. Qu'il y avait. À part à partir du moment où tu arrivais level 50, bah, ça manquait vraiment de contenu à faire et tout. Le prix c'était quoi? C'était 70€ le prix? 70€. Oui, donc évidemment c'était Très très cher. Donc au début c'était plus intéressant de payer un abonnement Xbox Game Pass avec toutes les réductions qu'il y avait de proposer que de payer 70€ pour direct. Clairement, bah oui. D'accord. Et après Shrouded Spoils, qu'est-ce qu'on a eu? Alors après Shrouded Spoils, il y a eu quelques... Attends, je suis en train de regarder. Mince, en termes de... Bah, il y a eu l'Anniversary Update, si je me trompe pas. L'Anniversary, qui a rajouté beaucoup. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bah, c'était 3 DLC en 1, en fait. Hein. 3 DLC en 1, en gros, qui arrivaient en 2019, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. En mars, en avril 2019. En avril, oui. Elle n'a pas pu sortir pile poil pour le jour de l'anniversaire du jeu parce qu'elle n'était pas prête, mais elle est sortie un mois et demi après. Voilà. Ce qui a proposé donc l'aréna,
les Tall Tales, l'appel du chasseur. On va s'ajouter plein de choses. Là, ça serait peut-être un peu long de tout rémunérer quand même. Mais en gros, voilà, ça va vraiment rajouter deux nouvelles factions, un nouveau type d'histoire, donc les Tall Tales, et donc le mode PVP. Alors pour le mode PVP, j'aimerais consacrer ça un autre jour. Enfin, j'aimerais en parler un autre jour parce que c'est pas trop le thème aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. En plus, voilà. Pour les Tall Tales, alors c'est un peu la première fois qu'on avait une histoire vraiment scénarisée dans le jeu, c'est ça ? C'est la première arrivée de l'histoire. Ouais. Même si on a vu un avant-goût avec Wuthering Deep et Cursed Cells. Oui, mais c'était pas pareil. Mais c'était différent, Mais là, c'était vraiment du gros contenu parce que du coup, il y a 9 chapitres dans Tall Tales des Shores of Gold. Et ces 9 chapitres qui sont tous entièrement rejouables avec 3 ou 4 versions différentes en plus. Donc il y a une rejouabilité très intéressante aussi quand même sur le contenu. Et puis ça se suivait, c'était pas à faire non plus en 2 heures, parce qu'il y avait quand même des événements qui étaient assez compliqués à faire. Il y avait de la recherche à faire derrière aussi, parce que les énigmes, certaines énigmes étaient plus ou moins compliquées que d'autres. Elles étaient compliquées, oui. Ouais, donc il y avait des énigmes avec des journaux, il y avait des énigmes à résoudre avec des puzzles sur les îles, des trucs comme ça. Vraiment, c'était très intéressant, et au niveau de la narration, c'était quand même très bien écrit également. Il y avait beaucoup de choses différentes qui étaient proposées, donc j'ai une question pas trop linéaire comme pour vous tous, oui, c'est pas trop linéaire. Donc j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous les avez rushés dès leur sortie? Est-ce que vous avez fini les Tall Tales dès qu'elles sont sorties? Ou vous êtes très très lent et vous avez même pas encore fini comme moi? Comment ça se passe? Personnellement, j'ai fini une fois l'histoire déjà. J'ai fait une fois les 9 chapitres complets. Après, par contre, non, je les ai pas rushés en mode il faut que je découvre tous les trucs tout de suite, il faut que je fasse tous les défis tout de suite. Non, on a quand même pris le temps avec mon équipage de découvrir les histoires, de prendre le temps de les regarder, de chercher par nous-mêmes et tout. Si on était vraiment coincé, d'aller chercher sur internet, notamment sur le site, puisqu'on a tout le guide. Google est ton ami, bien sûr. Voilà. Si France est mon ami surtout. Mais sinon non, moi j'ai pas rushé perso de A à Z et j'ai encore plein de récompenses à découvrir. Et il y a même des chapitres que j'ai fait qu'une seule fois parce que. J'ai cette manie de faire les choses dans l'ordre. Alex, Capu, vous les avez déjà fini toutes, je suppose. Non, on les a fait ensemble. Oui, on les a. Donc on s'attend. Mais vous avez fait les 9 ou pas encore? On a fait les 9 et. On d'accord, les a fait. Ok. Vous avez fait toute l'histoire. Ok, d'accord. Mais on n'a pas fait tout d'un coup. On faisait chaque semaine vu qu'on jouait pas trop la semaine. Ouais. Chaque week-end. Oui, d'accord. Aurélien, bon, t'as tout torché, ça... obligé, malheureusement. Obligé de torcher comme un gros porc pour les le 5 fables, les 9 Tall Tales. 45 Tall Tales, je sais pas, en un mois à peu près. Oh, t'as eu t'amuser, hein. C'était la grande rigolade. C'est agréable à faire la 2-3 fois, mais au bout d'un moment, je pense que ça va être pénible. Hein. Ça peut être long, oui. Je me suis plaint plusieurs fois avec les voyages de navire, quoi. C'est entre chaque île. Sont capables de te mettre des voyages assez longs et ça devient un peu pénible. Bah y a pas que ça, c'est juste que si tu veux déverrouiller tous les succès, t'es obligé de les faire 5 fois et 5 fois c'est tous les skins. Oui, c'est bah ça. Oui. T'es obligé. Même si les scénarios sont pas forcément le même à chaque fois au niveau des puzzles et tout, c'est quand même l'histoire fondamentale du truc reste la même derrière quoi. Donc. Ouais. Mais par contre, ce que je peux reprocher quand même au Total, c'est que dans le fond, c'est simplement de la recherche de loot en général. C'est simplement ça en fait. Quand tu réfléchis bien, c'est juste rechercher la pièce pour libérer les âmes, chercher le baril spécial. Je trouve que c'est souvent un peu la même chose. Quoi. Non, mais il y a quand même un fil rouge. Ouais. Oui, il y a un fil rouge. Et puis après, dans un monde magique comme celui qu'on explore de Sea of Thieves, tout s'active avec de la magie. Donc forcément, la magie, il y a des objets. C'est pas surprenant non plus que tu sois obligé d'aller chercher un objet à Tatooine les Bains pour activer tel véhicule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment de la recherche de loot un peu camouflée. C'est bien que ça soit camouflé parce que ça modifie un peu notre expérience, mais en soi, ça reste toujours le même but que des missions classiques. Quoi. C'est vraiment. C'est comme si on te donne une carte de recherche de coffre et tu vas à cet endroit-là, tu dois chercher un peu. Alors, j'aimerais savoir justement, est-ce que tu as moyen de speedrun les Tall Tales? C'est-à-dire, une fois que tu les fais 5 ou 6 fois, tu les connais par cœur, est-ce que tu sais où, par exemple, telle clé sera placée avec telle version de la Tall Tales? Est-ce que tu peux directement aller sur cette île, choper la clé, puis aller sur l'autre et puis ouvrir la porte? Est-ce que tu as moyen de faire ça ou les clés ont un spawn aléatoire sur l'île indiquée? Il me semble qu'il y a certains chapitres qui seront toujours les mêmes au niveau des emplacements des récompenses. D'accord. Ils peuvent être aléatoires. D'accord. Mais il y a certainement certains chapitres que oui, tu peux speedrun pour aller plus vite. D'autres, tu seras obligé de suivre étape par étape ce qui est indiqué par le jeu, quoi, je pense. Avec Capu, on avait speedrun celle avec. T'as coupé. Pardon. On avait speedrun avec les damnés.
Ah oui, mais c'est le. Ah bah c'est la deuxième celle-là. C'est celle où tu dois sortir le sarcophage du passeur. Ah la deuxième. Voilà. Ah oui, c'est celle-là, oui. C'est celle-là, je savais que on pouvait la speedrun, il y avait un t'es sur une. Oui, parce qu'au final, le sarcophage est toujours au même endroit, quoi. Donc, toujours au même endroit, et du coup, tu vas là, et puis après, tu vas sur l'autre, et puis tu suis les. C'est comme celle des amoureux, il me semble que les récompenses, elles sont toujours au même endroit, peu importe la version. Non, t'as différentes versions. Oui, bah je veux dire, il y a différentes récompenses selon la version sur laquelle tu tombes, mais je veux dire, au final. Elle sera toujours au même endroit quand même. Toujours sur la même île, ouais. Mais une île, c'est toujours la même. Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'est que la 7ème, tu peux la faire en 5 fois, elle est en une demi-heure. Mais je pense qu'elle a changé quand même un petit peu. Là, ils ont changé parce que, en fait, avec Marx, il n'y a pas longtemps. Et. Jeudi ou vendredi, ouais. Oui, et c'était plus les mêmes îles qu'autrefois. Non, mais ils ont ajouté plein de variantes par rapport à la version originale. Oui, je sais qu'ils continuent à rajouter des variantes histoire de gagner quand même un petit peu de. Ils ont rajouté des variantes et ils les ont simplifiées. Hein, parce que je suis en train de les refaire pour mes succès. Le niveau est pas du tout le même. Hein. Ah ben c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ça, c'est pas étonnant. Alors, soit c'est plus facile qu'avant, soit c'est parce que t'as plus l'habitude, étant donné que tu connais les mécaniques du jeu aussi, peut-être. Ça peut aider aussi. Parce que la première fois que c'est arrivé, c'était tout nouveau, donc. En fait, ce qui te fait perdre du temps, c'est une suggestion que je fais, hein, c'est pas. Bah ouais, mais c'est ça que t'as pas tort, parce que genre quand tu l'as fait la première fois, c'est de la recherche, c'est de comprendre. L'étoile du chasseur. Je l'ai fait une fois quand c'est sorti, et là je l'ai refait il y a pas longtemps. J'ai pas galéré, hein. Autant que j'avais galéré la première fois. Ouais, parce qu'au début t'as dû chercher à comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, voilà, mais ça. Après, du mois d'avril je l'avais pas faite. Et là je l'ai refait là maintenant. D'accord. Donc ça fait bientôt un an que je l'avais pas faite. Et je l'ai trouvé plus simple. Ouais, bah c'est sûr. Bah peut-être, hein, de toute façon, c'est un peu le truc du jeu, c'est qu'ils rendent les contenus plus faciles que quand c'est sorti, de toute façon. Ça, c'est... Bah là, je vois que le temps passe, va peut-être falloir juste qu'on fasse un petit tour de juste ce qui est sorti, puis basta, quoi. Très rapidement, vraiment, en passant, en disant les noms des events, tout ça, peut-être. Oui, bah oui, je propose. Genre, très rapidement, genre, on a eu, après, les Black Powder Stage, donc ça, c'était les... Les balles de place forte à livrer à différentes factions. Oui, le fameux event où les factions demandaient de récupérer les barils. Voilà, d'accord. On a eu les Dark Reliques, donc ça c'était l'arrivée des reliques. D'ailleurs, à partir de Black Powder Stash, c'était une sorte de ligne rouge d'event qui allait arriver jusqu'à Captain Flammer, qu'on va citer tout à l'heure. Donc c'est des petits events tous différents, mais scénarisés. Oui, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à poser des jalons pour leur... Pour l'arrivée de Captain Flammer. Pour la fin, on va dire. C'est ça. Après, il y a eu Smuggler Fortune, pareil, il fallait livrer des sortes de caisses d'os et guenilles. Il y a eu le Fort des Damnés, pareil pour Halloween 2019. Donc ça, ça a intégré un super fort, très sympa. D'accord. Il y a eu très après. Compliqué, mais très sympa. Ouais. Après, il y a eu moi, ce que je considère comme un nouveau DLC, The Seven Soul, avec un nouveau Totals, du coup. Très sympa aussi. Oui, on peut considérer ça comme un DLC. Non, perso, ouais. Bah, je considère comme un DLC, parce qu'à chaque fois qu'il y a un DLC qui sort, il modifie le menu du jeu. Tu sais, le menu de lancement du jeu. Oui, le menu d'accueil quand on arrive, oui. Et ça, c'était oui, considéré pour les DLC. Ça n'avait pas été modifié depuis un petit moment, effectivement. Non. Avec une belle musique, justement. Mais après, c'est quand même... je trouve ça quand même facile d'appeler ça un DLC quand tu vois que la Telltale, en 15 minutes, elle est pliée, quoi. Ça, je te l'accorde. Même si je sais que, effectivement, c'est lié, du coup, au fil rouge qui trace depuis Black Powder Stashes, puisque, du coup, ça va amener... Ça a vraiment introduit le gros événement qui va arriver bientôt, mais je trouve ça un peu dommage, quoi, vu que ce soit si court. On s'en est d'accord, ouais. Parce qu'on a eu une grosse Telltale qui est sortie pour la première fois, Shores of Gold était quand même un truc en 9 chapitres et qui était vraiment très intéressant à explorer et qui a pris plusieurs jours à faire, pour la majorité des gens je pense. Et là, Seaborn Soul, l'âme en partant, en 15-20 minutes, c'est... Après ce qu'ils font là, ce que j'ai pu comprendre, c'est que en plusieurs mises à jour, il y aura plusieurs Telltale, c'est-à-dire qu'on va se retrouver un peu comme un Shores Gold, mais réparti en plusieurs mises à jour, et ça raconte toujours une histoire qui se suit en fait. Mais le principe est différent des Shores Gold. C'est... Ben voilà. Après, il y a eu Festival of Giving pour Noël. Avec les fameux cadeaux. Ouais, et puis l'arrivée de la nana masquée sur. Vraiment, qui est sur l'île Reaper Sellout. Et puis là, pour terminer, les légendes de la mer. Avec l'arrivée de Umbra et plein de nouveaux défis à réaliser. Voilà. Historique. Une question pour la nana masquée. Est-ce qu'elle prépare vraiment quelque chose de géant pour le futur du jeu ou pas? Oui, il y a des chances. Genre on a, y a des chances, oui. On a fait beaucoup de théories qui ont l'air d'être assez bonnes, on va dire, avec plein d'indices que les développeurs nous laissent un peu partout dans le jeu.
Et si nos théories sont bonnes et elles ont l'air d'être bonnes, elle prépare quelque chose d'assez gros, ouais, de très gros même. D'accord. Parce que j'ai vu que l'île est en évolution constante, du coup je me demandais est-ce qu'on aurait le droit à ce nouveau contenu à la deuxième anniversary update, ou ce sera quelque chose pour plus tard. Ça c'est ce qu'on peut espérer pour l'anniversary update. Et ce serait bien parce que du coup on imagine qu'elle serait en lien avec Captain Flammer, donc l'arrivée de Captain Flammer lors de la deuxième anniversaire du jeu, ce serait genre pas mal. Parce que ça marquerait donc une deuxième année du jeu et donc un tout nouveau challenge à réaliser pendant l'année quoi. Donc ouais, je pense que pour l'anniversaire, ça serait intéressant. Donc ouais. Sans trop spoil, pour ceux qui ne connaissent pas, Captain Flammer, c'est une menace assez grande dans l'histoire du jeu, c'est ça? Oui, c'est un capitaine qui est très connu dans le lore du jeu, du coup, et qui est à l'origine de la transformation de Wanda, c'est ça? Ouais. La première. Ah ouais. C'est à cause de lui, parce qu'elle a été chercher, elle a voulu chercher ses canons maudits et les boulets maudits, c'est à cause de lui qu'elle s'est retrouvée maudite, du coup, et transformée en Warsong. Warsmith. Et... Ouais. Warsmith, pardon. Et... Et du coup, oui, c'est une grosse menace qui est très souvent invoquée dans le lore et qui fait peur à beaucoup de pirates. Et qui était évoquée avant la sortie du jeu, lors des trailers. Il y avait un trailer. Et voyait. Quand on voit son avertissement à la fin du Telltale's Steve Van Solt, on comprend bien qu'il ne revient pas pour rigoler. Il va falloir lui foutre 2-3 claques et puis le calmer un petit peu. D'accord, ok. C'était une terreur des mers avant qu'il soit finalement vaincu. Ouais. Voilà. D'accord. Donc bah voilà, elle aura un lien avec lui, ça c'est sûr et certain. Et si Captain Flammer est dangereux, elle est forcément elle aussi dangereuse quoi. De toute façon, personnellement, je leur fais pas confiance parce qu'elle est arrivée avec Stitcher Jim depuis le début et Stitcher Jim, je lui fais pas confiance. Ouais. Elle, vous parlez de la nana masquée? Oui, la nana masquée. D'accord. Ouais. D'accord. Qui pourrait être, selon nos idées, Wanda, son grand retour. Donc si c'est le cas, ça serait annoncé prochainement, je pense. Vu comment ça avance. Bon, on verra la. Il y a beaucoup de petites choses qui changent comme ça, petit à petit dans le jeu, qu'on voit pas forcément, mais qu'Aurel repère. Donc. Bah d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est disons que les développeurs nous mettent des petites informations, des petits indices, un peu cachés. Ils les annoncent pas dans leur patch note ou autre. Non, ouais, c'est et... ça. Il n'y a pas marqué quelque part dans le patch note entre deux lignes. Attention, l'île a changé. Voilà. Mais c'est faut le découvrir par soi-même. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, c'est des petits indices qui font même évoluer le jeu sans qu'on s'en rende vraiment compte si on s'y intéresse pas, et c'est intéressant. Vraiment, il y a. Ça fait évoluer le jeu, c'est cool quoi. Donc voilà. Oui, non, c'est vrai que ça rajoute ça rajoute du contenu quoi. Ah ouais. Dans tout le petit tas qu'on a déjà, c'est assez intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a plus rien eu après ça? C'était le non. DLC. Maintenant, on attend. Maintenant, on attend. Mais c'est le 19 février avec Crows of Rage. Rage. Est-ce qu'on peut en parler vite fait vu qu'il y a eu le teaser ou c'est encore. Ça, on a le droit. D'accord. Bon, on peut pas dire ce qu'on a pu tester. Qu'est-ce qu'on attend? D'après le teaser, déjà, il y a eu un teaser vidéo où on voit donc un nouveau coffre, donc le coffre de la rage. Qui semble être assez explosif et enflammable, donc ce serait un peu comme un coffre du chagrin, donc il pleure, mais là ce serait vraiment ce serait en rapport avec le feu, donc, d'accord, du coup il va brûler ça brûlera ton bateau quoi, et c'est... voilà, d'accord. Donc okay. on en fait très vite le lien avec la zone du Devil Roar, donc il y aura un lien avec ça, on n'en sait pas plus. Puis après il y a les petits ajouts comme ils ont pu annoncer, bon, après rien d'autre bien spécial, après ça reste une petite mise à jour au final. Donc, oui, voilà. Vu que c'est mis à jour mensuel, je pense pas qu'il y aura énormément de contenu. Oui. Voilà. Mais par contre, ça, ce qu'on peut être sûr, c'est que comme les précédentes mises à jour et celle actuelle, c'est que ça va faire encore évoluer le lore par rapport à Captain Flammer qui arrive, avec des nouvelles quêtes en rapport, sûrement. Et voilà. Donc, encore une fois, ça va faire évoluer le Sea of Thieves, quoi, en fait. Du coup, la grosse nouveauté de cette mise à jour, ce sera l'ajout du coffre élémentaire. Quoi. On a eu déjà le coffre Poséidon qui pleure sans arrêt, qui est chiant, et le coffre de rage. Donc, ça sera deux coffres élémentaires présents jusqu'à maintenant. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir plus tard un troisième coffre élémentaire de je ne sais quel type, un coffre maudit, par exemple, qui agit comme les boulets maudits que les navires squelettes nous envoient? Bah, moi j'ai bien une idée, mais bon, là après c'est que de la supposition et de la fantaisie. C'est de la supposition, c'est à voir. C'est, voilà, donc c'est, admettons qu'on ait un jour un monde de glace, il y aurait peut-être un coffre lié un peu à un côté glace, je sais pas trop comment on peut le dire. Mais... Mm-hmm. Ouais, un voilà. Coffre un peu polaire, oui, ça pourrait être, effectivement, oui. Mais c'est que de la supposition, là encore on a aucune information, quoi.
Du coup, question générale, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouveau monde, en fait, comme nouvelle zone? Qu'est-ce qui vous intéresserait vraiment le plus? J'y ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai qu'une région polaire, ça pourrait être intéressant. Une région polaire, oui. Y a beaucoup de personnes qui parlaient d'une région des damnés. Quand tu meurs, tu vas sur la mer des damnés. Mm-hmm. Ça peut être intéressant. Bah, le simple fait que, par exemple, le fort des damnés existe maintenant, et il est dit que ce fort des damnés, c'est un tremplin, on va dire, entre notre monde à nous et le monde des morts, donc le monde des damnés. Il serait pourquoi pas intéressant de voir un jour un nouveau monde où nous on pourrait aller carrément dans la mer des damnés, que ce soit genre un endroit plus compliqué que ce qu'on connaît actuellement. Très hostile pour le endgame. Très hostile, ouais. Sachant que Forsaken Shores, quand ça arrivait, ça avait été annoncé comme le niveau supérieur de difficulté du jeu. Et ce qui était le cas d'ailleurs. Il y a vraiment les régions de chill de base du jeu et Forsaken pour les joueurs plus expérimentés. Ce qui effectivement est le cas, même si ça a été un peu radouci depuis la sortie, c'est quand même. Ouais. Elle reste quand même très dangereuse comme région à explorer. Mais parce qu'en plus, il me semble que si on regarde la carte, la map sur le bateau, la carte n'est pas un rectangle parfait. Je veux dire, il y a une espèce de zone rayée. Ah oui, non, parce qu'en plus, la carte à l'heure actuelle, oui, au début, elle faisait un rectangle, et puis on voit bien que Forsaken Shores a été rajouté genre en bas à droite, greffé à la carte. Pas genre un nouveau truc entier sur le côté. Donc, au-dessus de Forsaken Shores, il y a les Shores of Gold, un peu plus haut, mais c'est sûr que... Autour dans le brouillard du diable, il y a certainement d'autres trucs encore. Hein. Oui, ils peuvent nous rajouter quelque chose de... Après, faut pas trop non plus qu'ils en rajoutent, parce que je sais d'expérience dans l'or que du coup, si on sort trop de la mer des voleurs, on retourne dans le monde humain classique. Mais après, comme il n'y a pas de distance qui est énoncée, donc j'ignore comment est-ce qu'ils veulent se débrouiller là-dessus derrière. Mais en tout cas, l'ajout d'une nouvelle zone, moi je serais pas contre, je serais même assez content. De toute façon, un beau truc. C'est quasiment sûr que ça arrivera. Hein. C'est quasiment sûr. C'est juste une question de temps maintenant. Ouais. Parce que le Forsaken Shores, ça fait un moment que ça a été ajouté. Enfin, le Devil's Roar, pardon. Et je pense qu'à un moment donné, on s'approche de l'arrivée d'une nouvelle zone, ça c'est sûr, je pense. Ce qui pourrait être intéressant comme zone à explorer aussi, ça serait les profondeurs un petit peu pour savoir un peu plus sur les peuples des profondeurs des mers en tout cas. Oui, l'exploration sous-marine. Réussir à découvrir quelque chose avec les sirènes, sur de. Une exploration sous-marine, ça pourrait être intéressant, en effet. D'accord. Surtout que ça a été un petit peu développé, ça. Tu peux trouver des fois, de temps en temps, des endroits cachés où tu vois des sortes de ruines avec des statues et tout. Oui, hein, oui. T'as une île, je sais plus laquelle c'est Smuggler B, je crois, de tête, où t'as une sorte de zone d'eau et quand tu vas dedans, bah, tu trouves une sorte de zone un peu en ruine avec des statues de sirènes et tout, enfin des grandes statues de sirènes. Non, mais après, une zone sous-marine. On n'est pas censé pouvoir respirer dans l'eau. Non, pas forcément une zone sous-marine, mais approfondir peut-être un peu l'exploration sous-marine. Je veux dire, à voir, parce que quand tu es sur ton bateau et tu sautes dans la mer, quand tu glisses comme moi, quand je fais le con sur le bateau, t'as rien, c'est vraiment le néant. Ah oui, c'est sans fond, il n'y a rien. Du coup, est-ce qu'ils peuvent pas changer un peu tout ça, mettre des sons un peu différents, je veux dire des sons par exemple d'animaux marins ou je sais pas quoi, pour un peu approfondir tout ça, et puis à côté des îles, comme a dit Aurélien, nous rajouter des sortes de c'est quoi le mot déjà de ruines pour pouvoir explorer un peu tout ça quoi, et puis. Bah dans ce cas-là, pourquoi pas aller rajouter des animaux marins. Ouais. Tu rajoutes plus de poissons, tu mets des dauphins. Une sorte de. Bah, je sais pas, non plus, qui rajoute un peu de choses dans la mer. Oui, ça pourrait être. Parce que d'ailleurs, à l'époque, là, pour l'instant, on a que des ennemis dans la mer, mais techniquement, dans la mer, il n'y a pas que des gros trucs qui veulent nous bouffer. Hein. Ouais, oui, voilà, c'est vrai. Puis, même à l'époque, t'avais comme la pêche aux baleines ou des trucs comme ça, t'avais comme des. T'avais beaucoup de trucs, donc il y aurait moyen de faire. Faire ça. Non, mais ils ont encore beaucoup de choses à explorer. Ouais. Hein. Ils ont pas tout avec le jeu. Complètement. D'accord. Donc voilà. Bah c'est à voir tout ce qui arrivera quoi, c'est seul le temps de nous le dire en fait. Ouais, c'est ça. Juste une question. D'accord. Mais le jeu par contre, il est vraiment toujours en constante évolution. Ça clairement je veux dire ils ajoutent pas un DLC pour dire on rajoute un petit peu de contenu puis basta. Non, il y a vraiment un impact sur le jeu et c'est enfin... Ça fait plaisir de voir que le jeu a beaucoup plu au début et après est un petit peu délaissé puis que c'est par vague en fait, hein, c'est vraiment quand il y a un gros contenu, les gens reviennent puis après ils repartent etc. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'au final l'équipe qui s'occupe du jeu de derrière n'est pas en mode bah c'est un jeu qui marche pas donc on va rien faire. C'est ça. Même s'il y a plus autant de joueurs qu'il y a pu y avoir, on sent que l'équipe de Rare a quand même envie de travailler sur son jeu et a envie de faire les choses proprement pour les joueurs. Quoi. Mais voilà, ça, ils sont toujours derrière, ils sont toujours là en train d'essayer. Quand ils font quelque chose, alors je sais pas qu'ils le font très très bien, mais ils le font quand même de manière correcte. Après, évidemment, ils sont pas à l'abri des bugs, hein, ça c'est sûr. Non. Ah bah, si, ils proposent pas. Ils proposent pas juste du contenu en mode bah, ça c'est pour vous occuper 2 semaines. Quoi. Ouais.
Et toi, okay. Là, tu n'auras pas des idées, je sais pas, j'en sais rien, des idées de nouveau. Qu'est-ce que tu aimerais bien voir dans... Bah franchement, ouais, comme vous disiez, la faune marine, après peut-être des systèmes de combat, vu que je suis très basé PVP, des systèmes de combat autres que ce qu'on a déjà, quoi. Qui change un peu. Ouais, change un peu parce que, bon, en PVP, après, c'est tout le temps pareil, hein, des boulets dans la tête et... J'ai pensé à un système d'abordage, avec ouais, des voilà, corps, ouais. Comme ça, ça peut être intéressant aussi. Ouais, je sais pas comment ils peuvent mettre ça en place. Mal, ou... Pouvoir juste, en fait, aussi, vu qu'on a, même dans le sloop, on a une cage, pouvoir prendre quelqu'un de l'équipage et l'enfermer, quoi. Oui. Tout oui, est parce que c'est vrai, j'ai pas pensé. Tout le monde voulait faire ça dès le départ et on a jamais pu. Ouais, j'ai c'est... Pouvoir c'est enfermer les gens. Allez, pas tout le temps, parce que le mec qui joue tout seul et qui se fait enfermer comme un con, il passe sa vie dans une prison. Oui, ça serait un peu dommage. Mais... Tout des trucs comme ça. Mmh. Du coup, j'aimerais bien approfondir, voir une... Le PVP, ouais. Moi, allez, je suis très basé PVP. Une amélioration du PVP, d'accord. Ouais. PVP dans le mode aventure, pas forcément dans l'arena. Est-ce que tu joues à l'arena déjà ou pas? J'y ai joué un peu, mais j'aime pas trop. T'aimes pas, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce mode-là, en fait? Le système de coffre... Allez. Bah, allez chercher pour gagner des points. Ouais, c'est PVE, quoi. C'est pas le système en soi de l'arène qui te plaît pas en ouais. Fait. Non, j'aime pas en fait, c'est pas arène en fait, c'est le plus vite qui gagne. Bah en fait, oui, ouais, ça, oui. Ouais. En fait, c'est du PVE camouflé en PVP quoi. Ouais. C'est je ça, préfère le bon PVP qu'on fait en aventure comme bah. Je peux faire avec vous. Allez, on fonce sur un bateau, on le déglingue et on monte notre compteur. Bah tu vois, on était beaucoup genre à imaginer que le mode arena par exemple, elle est arrivée, ça serait un mode genre vraiment tu pop avec ton navire et tu vas devoir déglinguer les autres navires. Tu vois, une bonne bataille navale. Et en voilà, fait, sur de la mer, t'as peut-être une île ou deux, mais t'as pas 50 îles autour. Ben voilà. Ouais, voilà. Et parce que là, en fait, c'est... non. Bah vas-y. Non, mais dans ce cas-là, tu supprimes les coffres. Ouais. Bah oui, carrément. Mais les ouais. Coffres, c'était genre inattendu. On était beaucoup à pas penser à ça. Genre, ça aurait été juste de la pure bataille, mais pas de la recherche ouais. De coffres. Là, c'est de la recherche de coffres et de la bataille vite fait. C'est les cas le plus de points, quoi. C'est un peu. Bah ça. J'aime pas l'arène en fait. Parce que, en plus, les peu de fois que j'ai joué, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs qui s'amusaient à s'échapper, et du coup, t'arrivais pas à les rattraper. Non. Et ils gagnaient en chopant tous les coffres. Ah oui, non, mais le but de l'arena, peu... c'est vraiment pas de combattre, hein. C'est de choper les coffres le plus possible, d'esquiver les coups, et puis de rendre les trucs le plus rapide possible. Ah, oui, voilà, donc non. C'est ça, en fait, ils avaient dit PVP, mais. Bah, en fait, pour moi, c'est pas du PVP. Hein. Disons que si t'avais moyen de gagner en faisant que du PVP, mais genre que pur PVP, ça marcherait, mais en fait, dans ce mode-là, c'est si tu fais pas de PVE, un minimum, bah, tu peux pas gagner. Et ouais. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui font full PVE. Ils ont vraiment tout misé sur le je déterre des coffres et je vends des coffres. Alors ah ouais. Que ouais. Si, ils sont pas forcément obligés de supprimer les coffres, mais je pense qu'ils devraient modifier le ratio de points que donnent les différentes actions. Complètement. Si, mais tu crois pas que si péter un joueur ou péter un navire, ça te donnait plus de points, à mon avis, les joueurs ils seraient peut-être plus enclins à aller se péter la gueule entre eux que juste chercher des coffres. Mais si on supprime les coffres et qu'on fait un truc full PVP, est-ce que tu crois pas que les gens ils vont gueuler pour avoir un truc full PVE? Oui, mais quand tu ouais, mais le problème c'est que quand t'es sur le mode aventure, tu vas couler des gens, t'entends des fois dire mais allez au mode arena pour faire votre PVP. Donc dans la tête de certains, normalement arena égale PVP. Et mais si arena devient full PVP, les gens vont demander un truc full PVE. Ouais, mais en soi les gens sont jamais contents quoi. C'est ça le problème. Mais ça c'est ça le problème. De toute façon, ils le demandent un peu le full PVE, genre ils demandent des serveurs privés les gens, ce qui va arriver d'ailleurs. Donc au final ils l'auront. Pour de vrai, oui. Mais il y avait eu une annonce officielle et j'ai eu confirmation par un développeur. Pour des events, mais bon, ça risque d'arriver genre pour autre chose. Imagine, après, admettons que tu moi dois. Moi, je fais partie de ces joueurs-là. Hein. Moi, un serveur full PVE, moi, j'aimerais bien. Bah après, en soi, toi, comme ce que je fais avec les derniers, il y a moyen de le faire. Mais en soi, je pense que j'imagine un système où tu vas devoir payer ton serveur, comme beaucoup de jeux. Et c'est toi qui gères après ce que tu acceptes ou ce que tu acceptes pas, quoi. Mais ça arrivera. Hein. Et tu crées un non, peu les un serveur full PVE. Oui, voilà, ça. PVP dedans. C'est ça, tu peux, je pense que tu pourras le faire. Ouais, je fais partie de ces joueurs-là. Ouais. Alors que moi, du mais coup, je trouve ça dommage. Pas histoire que j'aime pas le PVP, c'est juste pouvoir faire les cartes tranquilles. C'est vrai. D'accord, ok. Ouais. Enfin, voilà. Du coup. Il est presque. Il est même l'heure déjà, donc je propose de finir par un récap. Donc au début, pour les DLC, pour les nouveaux DLC à l'époque,
Les premiers DLC, on a eu quoi? On a eu Merrick, on a eu Etron Squelette, on a eu les sirènes. On a eu 4 DLC la première année. On a eu... Qui finalement ont pas rajouté beaucoup de... De contenu aussi quand même. Enfin, ça a été croissant en fait. Le premier DLC c'était vraiment on met des trucs puis on voit si vous aimez. Ouais. Et si les gens aiment, bah on mettra un peu plus de trucs dans le deuxième. Et si les gens aiment encore le deuxième, bah pareil, on fera plus de trucs dans le troisième. Et au final, ça a plutôt bien marché, puisque effectivement, quand Forsaken Shores est arrivé, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire d'un coup. Pas de contenu, mais de mécanique de gameplay, je voulais dire justement. Donc, à part Merrick, oui. qui a rajouté le mécalodon et puis le rituel avec les joueurs PP, ça c'est sympa. La chaloupe. La chaloupe, les trônes squelettes et sirènes. Ouais, non, ça pas c'est. Beaucoup d'intérêt. Bon, pff, ouais. Bah, le quatrième DLC, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Brouillard. Le brouillard. Brouillard, oui, qui a rajouté. Ça modifie quand même grandement ta navigation. Hein. Oui. Oui, ça c'est quand même un. Vraiment. Ensuite, un peu plus important, on a eu les. L'anniversaire Blade. Cursed Sails. Cursed Sails, ouais. Donc les combats marins qui d'ailleurs, ont été rajoutés. On n'a pas précisé un truc, c'est que l'arrivée des navires squelettes. N'était pas prévu de base dans la création du jeu. Non, c'est oui, effectivement. Oui. C'est suite à la réclamation du joueur. On n'avait pas du tout prévu de faire du PVE. Des navires PVE, ouais. Ah ouais, genre vraiment, c'est arrivé. Les joueurs ont gueulé, on voudrait bien qu'on croisait des navires PVE. Bah, il y en a qui ont donné des idées, puis apparemment, rares ont été intéressés, et c'est comme ça qu'est apparu les navires Skull. C'est pas que ça plairait aux joueurs, je pense, je crois, au tout début. Alors qu'en fait, si, quand le jeu est sorti, les joueurs étaient en mode, bah, on veut bien taper des gens, mais. On nous fait taper des équipages squelettes, des machins, des trucs, mais enfin, on n'est pas tout seul sur la mer à naviguer techniquement. Quoi. Où sont les autres, en fait, en dehors des joueurs, hein, j'entends. Bah, surtout que ça venait du. Je crois que ça venait du fait que les. Ils sont tous dans le Shore of Plenty. Ouais. Ils sont tous là-bas. Bah, je crois que d'ailleurs, c'est un peu ça le problème, c'est suite à un peu à la plainte de certains joueurs en disant qu'on croise personne dans les serveurs, ça serait bien de trouver des navires PVE, quoi. Et je crois que c'est un peu arrivé grâce à ça. Et l'idée au final a été bonne et les trucs développeurs ont bien aimé. Mais tu peux te balader n'importe où, tu croises personne. Tu vas dans la zone Shore of Plenty, tu croises plein de monde. Ouais. Ouais, mais c'est. Devil's Roar, t'es tranquille. Bah oui, Devil's Roar, oui, ça c'est pas surprenant. Donc justement, en parlant du Devil's Roar, on a eu les Forsaken Shores. Yes. Qui ont rajouté une nouvelle zone. Les Sea Posts de Shadow. Ouais, c'est ça, les chaloupes. Chaloupes qui était un bon petit élément de gameplay. C'était assez sympa. Oui, avec la nuit. Déjà parce que ramener les coffres au bateau à la nage, bon, ça peut être un peu long. Puis quand on a une cinquantaine. Ouais. Oui. C'est long. Beaucoup de trucs. Quand il faut tout décharger, c'est long. Du coup, tu prends ta chaloupe et tu montes tout ça, c'est nickel. Mais. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un élément qui a grandement changé notre façon de jouer sur Sea of Thieves, c'est l'arrivée des harpons. Je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Oui. C'est arrivé pendant l'anniversaire. L'anniversaire, hein, je crois. Oui, c'est arrivé avec l'anniversaire. Mais ça, par contre, c'est un élément qui a énormément modifié notre façon de jouer. Hein. Mmh, parce que pour Mato, hein. Tu peux t'en servir pour tout. Qui a beaucoup plu aussi. Surtout pour le PVP. Voilà, le PVP. C'est genre, ça modifie tes façons de jouer. Genre, t'adoptes des nouvelles techniques de combat. De navigation, tu peux récupérer les objets beaucoup plus facilement, enfin ça a une énorme importance ce harpon. Et ça peut changer la situation en PVP. Hein. Tu peux retourner la situation. Oui, complètement, oui. Tu fais un tour, un virage serré avec des rochers ou un truc comme ça, ça peut toujours s'aider, c'est hyper pratique. Donc on a eu les Forsaken Shores, et puis après on a eu l'anniversary. Donc des harpons, tout ça. Les Tall Tales. Qui ont rajouté un contenu énorme, géant dans le jeu. Et puis. Bah après, t'as le Fort des Damnés. Oui, les quelques events qu'on a eu, Fort des Damnés, qui était assez cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'il apporte quand même un nouveau concept dans les forts, c'est assez sympa, il est vraiment unique par rapport à ce qu'on voit. Peut-être un peu long à démarrer, un peu compliqué et long à démarrer avant qu'il patch certains éléments. Beaucoup moins long maintenant, ouais. Notamment comme se manger la foudre. Tu pouvais mettre quelques bonnes heures avant de démarrer le fort. Ouais, alors que maintenant, franchement, en un quart d'heure, 20 minutes grand max, tu peux l'allumer. C'était un peu chiant. Et ça, puis on a fini par quelques events. Des petits events assez médiocres en ce moment, mais qui approfondissent un petit peu l'histoire quand même. Les bombes incendiaires. Bombes incendiaires pendant. Yes, c'est Bonne Soul.
Seabound Soul, d'accord. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, n'oubliez pas le PVP, les gars. D'ailleurs, qui a intégré le feu, la gestion du feu. Ouais. Et qui est pour ma part un peu cancer actuellement, je trouve, le feu, mais. Notre façon de jouer. Ouais, mais. Oh, c'est très vite gérable, hein, c'est pas. C'est vite gérable. Ça dépend en PVP, vite gérable, ça dépend. Tu crames tout le bateau des gars et après, dans leur bateau, ils sont vite. Je trouve ça assez chiant, le feu. Hein. Bah, ça me... Personnellement aussi, ouais. Au canon, on va gérer le feu plus la réparation, c'est compliqué. Ouais, ça ajoute une certaine difficulté. Si t'es en galion et t'es 4, effectivement, ça va plus vite. Et quand t'es en soupe et que t'es 2 et que tu dois gérer la répa, les gens qui viennent incendier, plus les gens qui viennent sur le bateau. Compliqué. Ouais, mais tu vois, encore une fois, même si ça nous fait chier, ça a modifié notre façon de jouer, oui, genre, vraiment. C'est ça qui est bien quand même, même si c'est chiant. C'est chiant, mais c'est bon pour le PVP. C'est bon pour le PVP. Et du coup, j'aimerais finir avec le dernier élément, justement, le voyage inaugural. Yes. Est-ce que vous pensez, le voyage inaugural, déjà, c'est un tutoriel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tutoriel qui nous permet de comprendre un peu comment fonctionne le jeu. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû sortir ça au début du jeu? Ah oui. Parce que c'est vrai que pour les joueurs expérimentés, bon d'accord, c'est bien cool, on a du contenu, mais bon, ça n'a aucun sens, sachant que le jeu avait déjà presque 2 ans. Bah, comme la majorité d'entre vous ne le savent pas, et Jokin et moi on connaît, c'est que quand on a commencé le jeu, t'avais même pas un mini tuto, c'était vraiment tu te réveilles et tu. Mec, nous aussi c'était comme ça, on avait pas de tuto. Ah oui, c'est vrai que. Ouais. Comme ça. Ouais. On a pas eu de tuto. Tuto le mini tuto, parce qu'il y a eu. Enfin, c'était pas un mini tuto, mais c'était genre une quête de début qui est arrivée, je crois, à l'anniversaire, il me semble, ça, aux alentours de l'anniversaire. Donc ça, on l'a même pas eu. Consistait à aider un petit peu les joueurs, mais vraiment au tout début, il y avait rien du tout. Ouais, c'était vraiment. Ouais, nous aussi, on avait rien eu de base. On a commencé aussi en. Banane. Ouais. Tu spawnais sur l'avant-poste et puis hop, tu te démerdes. Quoi. Tu te démerdes. Ouais. Tu dois comprendre le jeu par toi-même. Mm-hmm. Alors que c'est vrai que maintenant c'est bien. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. Hein. Ça permet de rentrer directement dans le jeu. Donc je trouve ça peut être assez chiant pour certains joueurs qui n'aiment pas trop se débrouiller. Ah, c'est ça, je dis que moi j'ai besoin d'un cadre quand je joue un jeu, j'ai besoin d'un câble et de comprendre. Mm. Et là, je suis arrivé à l'avant-poste, il y avait plein de trucs que je comprenais pas tout. C'est compréhensible. Je pensais que le bateau il fallait le construire nous-mêmes. Hein. Ah oui. Je n'avais pas capté qu'il était garé déjà là. Hein. Non. Et puis tu sais, j'ai eu beaucoup de retours de joueurs qui débutaient dans le jeu et genre leur première session, ils partaient de l'avant-poste, ils se faisaient déglinguer par des joueurs PVP ou par le Kraken ou autre. Les premières secondes où j'ai levé l'angle, j'ai croisé un mégalodon, j'ai dit mais c'est quoi ça? Oui. Alors c'est vrai que tu fais ton voyage inaugural, tu commences tranquille, t'es pépère, tu prends ton temps, tu découvres et c'est pas mal. Tu pars avec ton navire, il te montre divers events, mais toi tu risques rien. C'est bien, c'est une bonne mise en bouche. C'est vrai qu'il te montre un peu tout, il te montre le mégalodon, le kraken, les Nemer Squelettes, la brouille. La brouille aussi. À la fin, tu as aussi un nuage en forme de crâne. La brume. Oh là, j'ai vu la brouille. La brouille, la brume. La brume. La brume, pardon. Puis il te montre un peu aussi toutes les mécaniques, les outils, les canons, comment réparer ton bateau, la bouffe. Faire cuire la bouffe. Et puis c'est même bien parce que genre si tu finis tous les défis, tu peux débloquer des skins uniques. Tu peux ouvrir un endroit caché où tu peux avoir 25 000 pièces d'or plus 250 pièces anciennes, je crois, un truc comme ça. Tu vois, genre tu débutes, t'es tranquille, t'es bien. Hein? Je l'ai pas fait ça. J'ai pas eu 250 pièces anciennes. Parce que t'as pas trouvé. Non, pas anciennes, hein, les doublons. Doublons. Non, parce que t'as pas fait le voyage. Non, mais j'ai carrément pas fait le voyage inaugural. Je te le conseille parce que l'île est vachement pas mal. Elle est belle, hein. Donc je te le conseille. Oui. C'est dommage. Tu vas tuer. Non. Ouais, mais écoute, tu dois tuer une poule. Ah. Ou un poisson. Ah, ça m'intéresse pas, les gars. Je vais tuer du genre. Et en plus, d'ailleurs, on suppose qu'il y aurait un petit. Pas un easter egg, mais un petit indice sur un futur potentiel navire qui pourrait arriver dans le jeu qui semble être un peu plus gros que le galion. Donc il y a une épave dessus. J'aurais pensé qu'ils avaient abandonné ce projet d'avoir devenir plus gros. Bah de toute façon de base on m'avait dit que c'était pas prévu. Des masses de joueurs et que les serveurs sont un peu vides quand même. Je pensais qu'ils auraient abandonné l'idée de plus de navires. Ah mais peut-être. Oh bah ils ont vu la vignette de Leclerc avec le manoir, ils se sont dit oh putain les gars, faut faire un truc. Bah c'est ça. Non mais on verra bien de toute façon ce qu'ils nous donnent quoi. Tout à fait.
Il est 10h10. Je suppose qu'on a fait le tour de un peu de tout ce qu'on voulait dire. Oui, je pense, ouais. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à dire encore en plus, mais on peut bien approfondir, mais il nous faut un peu plus. On a parlé du gros, ouais, c'est bien. Après, quand tu vois la juste l'anniversaire, podcast avec tout seul. Oui, c'est vrai que l'anniversaire. Comme on a dit, l'arena, on peut en faire un débat complet tout seul, rien que pour l'arena. Donc ouais. Ben voilà. Et bah sur ce, très cher Jean, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce podcast, d'avoir écouté, d'être resté avec nous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Spy, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant de finir? Je peux dire une petite bêtise. Je remercie l'intervention de Thomas sur ce live, c'était très intéressant. Merci à toi, Thomas. On a eu Thomas sur le live, j'ai pas suivi le live. Normal, vaut mieux pas. Très constructif, merci à toi Thomas. Tu sais, il est plus là, il est plus là. Je viens de regarder. Pas grave, il réécoutera. Non, bah j'ai un peu de ce sera sauvegardé, ce sera enregistré en audio, puis ce sera posté sur SoundCloud ou autre. Sur le site Surf France, un peu partout, on va essayer. Et. Mais pour conclure, ouais, moi j'ai juste envie de dire que quand même, que même si c'est un jeu qui a pas l'air ouf pour certains, c'est quand même un jeu qui, ça fait 2 ans qu'il existe maintenant, enfin bientôt, et toujours en constante évolution, il apporte beaucoup de trucs et gratuitement, et ça c'est que c'est vachement cool en fait, et voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Et surtout les graphismes, on a un aspect visuel très différent comparé aux jeux qu'on a l'habitude de voir, c'est beaucoup plus plaisant, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de voir un aspect qui est un pas cartoon, qui est pas très cartoon, je trouve. Je sais pas de quoi qualifier ces graphismes-là, mais c'est vraiment plaisant à voir. Je trouve ça reposant. Je trouve que c'est semi-cartoon, semi-réaliste. Ça dépend de la situation. Quelque chose d'autre. Oui. Ouais, c'est un peu les deux, je trouve. Et il est plaisant. On va dire plaisant. Bande dessinée, ce qui me vient. Un peu, oui, un petit peu comics, ouais. Un peu comics. Ouais, avec les visages un peu, ouais, c'est vrai. Ok, bon bah. Voilà. Comme j'ai dit. Quelque chose à rajouter? Oui, non, je tiens à remercier les follow. Et merci aux follow qui. Merci. Oui, bah j'en profite. Merci à Taxi Bigon qui s'est follow à la chaîne. Merci à toi. Et j'espère que ce projet vous aura plu. Que ça a été un bon moment de préparation quand même. Oui, ça nous a pris un petit peu de temps. On fera quoi? Un par mois? Enfin, il y en aura d'autres. C'est pas le dernier, c'est pas le premier ni le dernier, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Bah, le prochain, si tout se passe bien, j'avais dit quoi? 3e ou 4e mercredi du mois? Samedi. Samedi, pardon, ce serait quoi? Le 21 ou 28? Un truc comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Mars. Non. Mars. Ouais, Mars. 28 Mars. Excellent. 28 Mars. Ouais, c'est un truc comme ça, je pense. Puis voilà. Voilà. Oui, donc en gros, il y en aura encore. Voilà. Oui, il y en aura. Si vous avez aimé, il y en aura encore. Sur ce, je vous remercie. Je m'en remercie à vous d'être venu, d'avoir partagé vos avis. C'était cool. Merci, Marx. Merci aux viewers d'avoir écouté, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, on vous fait des gros bisous à tous. Allez, des bisous tout le monde. Voilà. Allez, bye bye. Bisous.